Dans trois tours, c'est pour ça qu'il est arrivé en retard, je crois. Le tournage va être super long, je suis trop fatigué. Y a pas de problème, frère. Okay. C'est venu parce que t'étais le plus tôt arrivé sur place, donc t'as dû vraiment pas dormir beaucoup. Oui, oui. T'as dormi que 1h30 plus que ça avait pas 1h30 que... Mais en fait, j'ai reçu vraiment un message en mode « Bon, il est là depuis 7 minutes. » C'était le réveil, c'était le taxi ? Ouais. Du coup, t'as pas pris de douche. Du coup, ah si, je me suis lavé, mais que le bas. Et bah, la tête d'homme, je l'ai déjà fait. La douche, j'ai fait le haut, non ? Ça, non, la tête d'homme, j'ai déjà fait que le bas. Non, parce que, non, parce que le shampoing, tu connais, faut pas tout laver. Ouais, ouais. Faut faire un chat au bout d'un moment. Ok, ok. Voilà. Bonjour à tous. Hello. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau concept avec des invités de luxe. Je suis très content de vous recevoir, les frères. Maxime Gadji. Mais pas d'énergie. Si vous pouvez mettre vraiment le moins d'énergie possible. Ok. Genre vraiment, vas-y, refais en mode. Je te le fais mieux. Vas-y. Avec Maxime Biaggi, Seb, Dili. Ça m'a mis une anxiété, frère. J'ai pas assez repris. Moi, j'ai un peu la boule au ventre. C'est vrai ? Ouais. Ça stresse là ? J'aime pas les trucs de gage. Non, en vrai, l'ambiance, ça va pas être joyeuse, cette vidéo-là. C'est le fait que ce soit lui qui s'occupe des gages et qu'il les idées. J'ai une répute à tenir. Du coup, ça veut dire si les gages ils sont pas à la hauteur de vos attentes, là, c'est fini. Je sais plus jamais de trucs. Frérot, faut que ce soit hardcore et j'espère pour les autres. Genre, pas pour moi, sûr. Il a les potards qui sont trop loin par rapport à nous tous. Il a pas d'instinct de survie, il a pas le même truc. Trop loin, il est niveau 57 dans le game des gages. En fait. Et c'est quoi le max ? C'est 58, genre ? Ouais, pas loin, ça doit être 60. 60. 60, peut-être ? Oui, parce qu'on parle de gages, mais pourquoi donc ? Oui. Bah merci, Billy, de m'emmener sur ce terrain-là. Alors pourquoi ? Parce que vous l'avez vu, le concept s'appelle mauvaise pioche. Parce que vous allez tirer, évidemment, à un moment, la mauvaise carte, vous allez finir avec la mauvaise carte. Est-ce que vous connaissez tous le jeu du pouilleux ? Bien sûr. Il va nous casser les couilles ça avec ça. Ça s'appelle Misty Gris, mais ouais, je connais. Ouais. Non, dans les commentaires, tout le monde dit Misty Gris, je pense. Non, mais soit le jeu vient de Corse, le pouilleux, et c'est le Misty Gris, je te serre même la main. Qui l'avons popularisé. Soit il vient du monde entier ailleurs, et c'est vraiment le pouilleux. Tu penses en Amérique, ils disent pouilleux aussi Pouilleux. On peut faire Pouilleux, Du coup, non, nous, on va jouer au pouilleux ou au Misty Gris. Vraiment, on va pas froisser les Corses, j'ai aucune envie d'avoir des problèmes avec les Corses. On va récapituler les règles rapidement, on distribue toutes les cartes. Toutes les paires, on s'en débarrasse. Donc des cas de 4, de roi, de machin, on s'en débarrasse. Une fois qu'on s'est débarrassé de ça, il nous reste du coup un paquet. Dans un de notre paquet, il y a une carte qui est la carte du pouilleux. Il faut tout faire pour s'en séparer. Dans le jeu normal, le pouilleux c'est le valet de pique, et après tu te prends un petit truc sur la main. J'ai déjà perdu. J'ai vraiment. Là, j'ai pas avancé. Il a même pas commencé les règles. Ouais, j'ai pas avancé. Il est revenu et. Non, mais en gros, on a tous une rangée de cartes qu'on doit cacher les uns les autres. Ouais. Ton but, moi, je vais te piocher une carte. Ouais. Et si ça me fait un double, je pose mon double, ça me fait moins de cartes. Ok. Ah non, mais moi, je sais, moi. Mais ouais, tu dis, ok, comme ça, tu découvrais. Il y a un peu de piment dans tout ça. Il y a marqué le gage sur la carte. Maintenant, ah, donc on découvre. Tu découvres pendant que tu as la carte, le gage. Tous les coups sont permis, vous bluffez de la manière que vous voulez, vous débrouillez, vous démerdez. Si tu bluffes du fait de l'avoir, dans tous les cas, quelqu'un doit piocher dans ton paquet. Voilà, c'est ça. Si tu bluffes en face du mec qui l'a, bah. Oui, oui. Là, c'est clair ou pas ? C'est très clair. C'est très clair. Malheureusement, c'est très clair. Malheureusement, c'est. Faut plus repousser, là. Là, on y est. C'est très stressant. Bah ouais. Moi, juste de pas savoir les gages. Moi aussi, vraiment. Alors que... Je stresse trop. Je suis plus stressé que le bac, je pense. Genre, vraiment, je suis pas bien, là. Venez, on part sur une base clean, on se serre tous la main. On fait un pacte, on fait tous un pacte. On essaie quand même d'avoir... Pas de triche. Pas de triche. On dit moi, prénom, je ne tricherai pas. Moi, prénom, je ne tricherai pas. Ok. Donc, il va y avoir 4 parties. Il y a 4 gages remis en jeu. On pointe du doigt en même temps celui qu'on a envie qu'il se prenne tous les gages. Tous les gages, genre s'il faut qu'il y en ait un qui prenne tous les gages ? Ouais. Ok, 1, 2, 3. Ah, c'est équitable, c'est équitable. Ah, ça va. Wow. Ouais, franchement, c'est équitable. Comme on est super gentil. Non, je change, excusez-moi, c'est vrai que c'est lui qui nous... C'est vrai, c'est ta mère. Je change, mais tu nous fous dans cette merde. C'est vrai, c'est ta mère. Très important aussi, dernière précision, après on peut y aller. Les gages là sont crescendo. Si c'est en mode ouf, tenez-vous parce que c'est pas le pire. C'est de plus en plus. C'est horrible. C'est chiant, il est chiant ce mec. C'est ça que je kiffe. Je demande tout, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Là, j'ai un coup de stress, tu vois. Ouais, pareil. Là, j'ai un coup de stress. Tu sais même pas les règles, mais tu me dis que tu joues au plus le collège. Tu mens déjà en fait. Non, mais si, je vous dis. Par contre, là, la vie de ma mère, que cet été, on a joué souvent à Undercover, c'est un putain de roublard, lui. Non. Oui, oui, oui. Ok. Ouais, genre là, j'ai une petite. Il dit que ça monte crescendo, peut-être, premier gage, il faut tuer un gars. Qu'est-ce que tu fais après ? Bon, en général, après, tu enterres le corps. Ah, ouais. Et après, troisième gage, t'es enterré avec lui. On peut voir nos cartes ? Vous pouvez voir vos cartes, n'oubliez pas de jeter les paires. Et normalement, il y a une petite surprise dans les... Comment ça, une surprise ? Regardez bien vos cartes, les rois. Oh ! T'as pas un roi dans ta main ? Ah ! C'est incroyable. Mais est-ce qu'on a tous le même mais roi ? On a tous le même ?
Non, je sais pas, mais il y a un roi pour chacun de nous. Ah, wesh, c'est incroyable. Moi, je sais que là, j'ai le roi de Wham dedans. Moi aussi. J'ai celui de... Oh, wow, je l'avais pas vu. Tu t'habilites. Ah, c'est trop bien. Attends, est-ce qu'il y a un monde où on garde nos doubles et si je pioche un triple, je peux tèche le triple? J'ai essayé de gruger. Non, non, mais les gars, c'est cet esprit-là. C'est vacances autour, pourquoi il jette tous ces trucs? Non, c'est les doubles. Non, c'est les doubles. Là, 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 tu vides juste ton paquet des doubles. Et après, quand on a vidé tous nos doubles, tu vois, là, par exemple, j'ai quasiment pas de doubles. Je suis dans une galère monstre. Ah, j'ai pas regardé, j'ai oublié de regarder quand vous avez découvert vos cartes. Ah, moi aussi. Pour voir qui c'est qui avait le truc. Merde. Après, ça peut être un très bon coup de bluff, ça. Parce qu'il peut avoir le truc dans sa main. Ouais. Je suis comédien. Je vais être honnête dès le début. Ouais, et je pars sur de bonnes bases. Okay. Et c'est le premier tour. Regarde, il y a ton roi avec ta gueule ici, j'ai envie de te le transmettre. Comme ça, t'as ton propre roi. Ouais. Il est juste là. Ouais. Moi, je suis le nice guy de la vidéo, vraiment. Oui, oui, oui. Vas-y, hein. Moi, c'est full bonne intention, vous verrez de toute façon quand ce sera. Moi, vous pouvez être sûr, vraiment, je vais tout faire pour vous pourrir, par exemple. Ok, mais frère, j'espère, je te vois, je prie que tu prennes. Donc, je pioche chez Seb. Tu pioches chez Seb, ouais. Bah, vas-y, donne-moi le roi de Billy alors. Chez Seb. Chez Seb. Je prends le roi de Billy. Prends le roi de Billy. D'accord, il est où le roi de... Attends, mais il reste que 3 cartes déjà? Bah, ouais, j'avais 3 paires. Ouais, deux, oh, ouais, cousin, je suis dans une galère, pas possible. T'as où ça? J'ai tout ça. Tu ne prends aucun risque. D'accord. Moi, mais je suis le roi de Billy là. Du monde. J'ai le roi de Billy dedans. Et donc, tu peux me dire où il est ou pas? Il est souvent à droite. À droite là? Non, ma droite. Ah, ici? Ouais. Ok. Tu verras si je suis honnête ou pas. T'as le roi de Billy. Oula, ah mais putain, mais pourquoi je double pas, je lui donne à tout moment, ça part. Je suis trop bête, là j'essaie de faire de la sympathie. Bah oui, du coup les deux jouer l'affect. Non, je t'ai baisé, les deux ils sont partis. Non, franchement, je me boucave, j'allais te baiser. Je me boucave. Mais t'étais le nice guy il y a 5 minutes. Frère, tu l'as déjà dit. Ça y est, on a sa strat. Non mais, je suis encore le nice guy, je me boucave. Ouais, c'est vrai. J'allais pas donner le roi parce que je voulais que le roi circule et que ça me fasse mon dernier double pour gagner la partie. Du coup, je prends chez toi. Ouais. Et t'as déjà gagné là. Non. Attends, non. Bah oui. Bah oui, si. Bah oui. Si. Bah oui. Non, c'est comme ça. J'ai joué qu'une fois, j'ai pioché chez Seb. Qu'est-ce qui se passe là? Mais non, j'ai pioché Billy. Non, tu pioches. Et après, c'était là. Ah, c'est Seb qui pioche chez toi. J'ai pioché Billy. Et après, moi, tu prends. Mais dans tous les cas, ça sera fini. Non. Non, tu dois prendre toi en double là pour la sortir. Ok. Mais qui pioche la fausse joie. Là, du coup, toi, tu pioches. Tu pioches chez Billy. Tu pioches chez moi. La vie de ma mère, j'ai gagné. Mais pourquoi on part dans ce sens? Mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de pleurer. Je suis stressé. Mais non, c'est Sid qui... Moi, j'ai pioché chez Seb, je vais pas piocher chez Sid. J'ai gagné, moi, les gars. Parce que j'ai pioché là. Il a gagné, on a même pas fait un tour, il a déjà gagné. Ah oui, j'ai gagné. Putain, le crack. Non, attends, non. Eh, faut pas rager comme ça, les gars. Après, j'avoue, c'est le premier. Faut pas rager, cousin, j'ai 17 cartes. Tu vas en avoir 18 bientôt. Non, mais même moi, je suis dans la merde. Attends, mais du coup là, attends t'as pris. J'ai pioché chez Seb. Non, ouais, ça se Donc on continue. Bah oui, il a pioché, il avait un double là. Bah, du coup, je prends ta carte, t'as gagné. Ouais. Moi, je propose, on remélange, on redistribue. Non, Max. On va trouver une solution. T'es vraiment un bon. Tu reprends tes cartes. C'est piège. Mais attends. Attends. Nouveau nom. Les gars. Pioche. Ça, je triche. Aujourd'hui, c'est triche. C'est Seb. Non, je serais piège. Mais vous êtes en train de baiser en plus parce que tout est legit. Qu'est-ce qui est pas legit? Écoute, moi je vous dis un truc, on redistribue. Mais vous êtes des fous quoi! Mais vous êtes des fous quoi! Comme des souliers! Non! Eh, je me fais pas baiser, y'a tout qui est legit! Y'a rien qui est legit! Juste, vous aimez pas l'ordre, je sais pas pourquoi! Non! Y'a tout qui est legit! J'ai eu mes petits doubles, je les ai posés, et y'a rien qui va pas dans l'histoire! Non, on avait dit, écoute, on redistribue! Mais des ouf ou quoi, on redistribue? Mais vous êtes des baisers, on redistribue rien du tout! Il se passe quoi là? Je sais pas, mais on avait dit Maxime, il commence! Et Maxime, il a commencé à piocher, c'est Chef, alors que c'était toi qui. Chez Chef, j'ai dit encore, putain! Arrêtez! J'ai jamais dit que je devais piocher chez Chef! Les gars, on fait un tour de table, vous dites mon prénom! Chef! Ah non! Piège! Non! Charlène, non! Putain! Attends, mais c'est quoi déjà? Non, combien degrés? Maxime, il pioche ses chèvres! C'est ce que j'ai fait! C'est ce que j'ai fait, enculé! Je le dis maintenant, enculé! C'est ce que j'ai fait! J'ai pioché ses chèvres! Bah alors, dans ce cas-là? J'ai pioché chez Seb! Non, mais dans ce cas-là, maintenant, c'est à Seb de piocher! Mais non, j'ai moi qui pioche chez lui! Bah, pioché chez moi, frère! Mais non! Vous êtes des fous quoi! Non, mais vous êtes des ouf! Non, parce que là, il a pioché chez toi, mais toi, tu pioches chez Billy maintenant! Tu pioches chez Billy! Mais oui, c'est ça! Mais oui, mais c'est ça que je comprends pas! Oh, j'ai chaud! C'est juste le jeu, les gars! C'est vrai, on est mauvais joueurs! C'est juste le jeu! Mais tu sais que c'est toi qui a cassé le jeu! À partir du moment où t'as dit, ouais! Nice guy, mes couilles là, ça y est! Non! C'est juste le jeu! La gratuite. Cheb, il avait raison. Genre, il a pioché chez moi. Pioche là. Ouais, ça. Maintenant, c'est à Chicha de... Mais pourquoi c'est grave Chicha? Je sais pas. Même moi, j'ai du mal à parler. Là, bon. Tu pioches chez Fred et c'est fini. C'est ça. C'est vraiment ça. Et ensuite, Sid qui pioche dans Billy. Ensuite, Chine. C'est juste qu'on a fait de l'autre. Shit. Non,
Ok, d'accord. Donc normalement, Max, il était censé montrer ses cartes à Shinez. Comment on est loin de... Ah, forcez-vous. Bah, prochaine game, on fera ça, les gars. Vas-y, on reprend. Il y a tout maintenant, fier. Non, 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 viens, recommencez juste votre truc à vous deux. Allez. C'est toi qui l'as, hein. C'est mon nice guy. C'est bon. Alors, c'est fou parce que j'en ai beaucoup. Oh, t'as mais t'as je l'ai t'as pas. Prends tout le paquet. Mais tu sais que frère. Et c'est quoi l'autre? Le nice guy. Ah, Bélec. Ah ouais? Mais frère. Parce que moi, je sais ce qu'il a lui, donc c'est toi lui. Au j'ai vu son paquet. J'ai vu son paquet. Là, c'est pas une vraie carte? Si. Piège. Tu crois que j'ai pris comment le roi? Piège. T'as une grosse merde. Quand j'ai des mauvaises intentions, je me poucave direct. Comme ça, je ouais. me ressaisis, tu vois. Mais là, je suis vraiment le nice guy. Ton roi, il est là. Et on peut établir une relation mais confiance, toi et moi. Mais t'as besoin d'un roi? Il est 9h du matin, il est en sueur. Il peut pas. Ouais, c'est pour ça. C'est ça, c'est un comportement de non, mais j'ai pleuré de rire, c'est... Ah. Franchement, moi, je sais pas si la stratégie de Dice elle va payer, mais je vais y aller. Go. Tu peux montrer au public, enfin aux téléspectateurs, la carte. Oh. Tu peux confirmer le gage. Nice guy, s'il te plaît. Il a dit la vérité. Bon, bah, tant mieux. J'espère non, que... il ne peut pas, c'est pour un bâtard. J'espère que quelqu'un voudra je vais vraiment donner son roi après. Là, t'as du choix, cousin. Mais tu peux être safe de fou. Je te dis, le gage, il est dans la main d'un... De toute façon, t'as une chance sur 1000 de prendre le gage. De toute façon, même s'il est là, cousin, je veux dire... Putain, il a tellement de cartes. Est-ce que je dois vraiment choisir? Là, il y a plus de... je pioche, c'est tout. Frère, tu peux aller en détente. Toucher, c'est toucher. Il a dit que toucher, c'est toucher. Prendre ce rôle-là. J'ai inventé une règle, il a dit ok. Il a dit vas-y, chaud. J'ai aimé l'assurance. Va te faire ouais. reculer, Maxime. Il a dit vas-y. Hein. Vraiment, va te faire reculer, Maxime. Non. Maxime, tu prends, je prends chez toi. Ouais, s'il te plaît. Tu as le choix entre. Alors vas-y, bah, carte et carte. Ouais. Tiens, mon gars. Ok. Ah, ça lui fait même pas un double, genre. Ah, si, non, si, peut-être. Si, 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 t'as vu la lance. Ouais, non, j'ai c'est pas. Là, je suis pas. Sinon, y'a un problème. Ok. On continue la méta du nice guy. Ah non, tu m'as fait passer pour le bad guy. Ah non, je t'ai juste fait passer pour... Tu m'as pas honoré. C'était un peu fausse promesse. Mais c'est pas grave, tu vois, j'ai déjà... Moi, fausse promesse? Oui. Ok. Moi, je te laisse choisir entre les deux. Tu peux les mélanger un peu? Voilà, c'est mélangé. C'est rigolo. Après, frérot, il y a que deux cartes. Oui, je sais. Putain, j'ai pas de... À toi de prendre chez moi. Jilti, tu peux me faire une passe D de malade. T'as besoin de quoi? Dis-moi, t'as besoin de quoi? Une reine. Une reine. C'est un vrai ça. Non, toi, je te fais pas confiance. C'est vrai? Tu me fais pas Attends, confiance? Attends, est-ce que juste on a une, pour savoir? Elle est là. Oh. Oui. Oui, merci. Let's go. J'étais sûr à 100% que t'allais pas la prendre. Oh là là, j'ai hésité. De... Bah oui, je te jure. Ok, ça, ça joue entre toi et moi. J'étais entre Sid et Guardiola. Bon, toi, t'es tranquille de toute façon. T'étais à l'aise. Voilà. À toi. Attends, je vais regarder ce que c'est. T'as pensé. Arrête ton cinoche. On sait tout ce qui se passe. En fait, j'ai quelques tricks de magie et je préfère un peu Vas-y. Te mettre. Si je vais faire de la magie, je vais rajouter de l'eau. Eh les gars, il y a plus besoin de faire du bœuf, on sait. Quoi, tu sais quoi là? En fait, ils se savent entre fait, les deux. Tous les deux. Ah putain. Mais attends, il t'a baisé là. Mais il t'a baisé là. Prends la carte, vas-y, prends la carte. Non, tu dois piocher. Tu dois piocher là. Vas-y. Tiens, je comprends. Allez, 1 sur 4. Ouais. Allez les gars, on y va. 1 sur 4. On va le faire. On va le faire. Le 4 à la suite. Le gage qui est... enfermé dans le coffre d'une voiture qui drift. Oh, j'ai pris une clim. 1 sur 4, les gars. Faut pas qu'on la fiche. Non, non, impossible. Je suis content d'avoir. Un ennemi commun, faut l'abattre. Oh, le nice guy. Merde. Ok, on est arrivé sur le parking. Oh là là. Oh là là. Prêt ou pas? Moi, les gars, je dois faire les courses. J'attends de voir quoi elles sont. Je garde là. Let's go. Il y
Je pense qu'il veut impressionner Yang. À chaque fois, un peu de pas fait exprès, j'ai l'impression, dans ce qu'il faut. Il le camoufle. Il le camoufle. Bah oui. Ouais. C'est très fort. Dérapage, j'ai reçu un caillou, ça m'a blessé de malade. Ah, tu peux pas le faire? T'es assuré? Bah, je le fais pas de toute façon. Ouais. Et quoi, tu veux foutre un procès au cul? Ah, dédommagement. Tu te sens prêt là? J'en sais rien, j'ai même pas vu le coffre à quoi il ressemble. Par contre, premier degré. Ça glisse de fou, je pensais pas que c'était autant. En fait, genre, ça va être chaud, mais ça me fait pas peur. Mais je vois pas comment je peux kiffer l'expérience, tu vois. Ah, mais tu ne vas pas kiffer. Ça, voilà, c'est... Bah, c'est enlève toi, ça s'arrête. Ouais, ouais, partons du principe que c'est un gage. Non, la vérité, j'ai envie que tu vomisses, je te dis la vérité. Mais par contre, c'est ça qui me fait peur, je pense que je peux dégueuler. Je vais vraiment me régaler si tu veux. T'as mangé quoi tout à l'heure? J'ai mangé une petite part de pizza. Ah, vite, vous ça. Ouais, j'ai pas trop mangé aujourd'hui. Oh, ça va, ça va. Mais ça peut être de la bite parce que j'ai stressé quand même toute la journée. Ok. Ça peut être de la bite? Quoi? Je peux vomir de la bite, hein. J'ai une grosse tête là, quand même. J'en ai trop avalé. Je peux vomir une teub là que j'ai pris il y a quelques jours. Tiens, allez, restez là, il y a moyen que. Comme les magiciens, tu sais, elles sont tous tenues par un fil. Vas-y, let's go, on y va, hein. Regarde le coffre. La vache. Franchement, mais tu rentres là-dedans, déjà, franchement, arrête de te plaindre, t'as un tapis. Ça, ouais, par contre, ouais, grand prince. T'as foutu une petite barre pour que tu tiennes. Franchement, y a rien que tu peux. Bah ouais, je suis à l'aise. Qu'est-ce qui peut se passer mal en vrai? C'est une classe éco. T'appuies là, tu cries. Si quel problème par exemple qu'il pourrait avoir? Par exemple, quel problème? S'il a chaud, s'il a mal, s'il a peur, s'il faut s'il fuck. Dac, dac, dac. Tu en prends un mur par exemple. Tu vas te manger de la fumée dans la gueule. Ok, dac, nickel. Je suis en expédition. On dirait que tu te fais enlever. Bon, allez. Bon, bah les gars, moi je suis prêt. Attends, musique, c'est le moment où on te ferme le truc. Vas-y, fais. Vas-y. 1-2-1-2. Vas-y. Ok, c'est bon. Ah, on entend tout. Vas-y. Allez, un, ciao. Deux, deux. A tout à l'heure, les gars, prenez du plaisir. C'est ciao. C'est ciao, mon frérot. Let's go. Il a plaisir. Billy, j'ai pété, c'est une angoisse. Frérot, désolé, on t'entend pas. On va faire des drifts. Frérot, là, on va s'amuser un peu là. Tape ici si ça va pas. Son calme, 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 son tell me I'm and that's why I call it falling for back. The 30 is back. Tell me I'm garbage. I'm falling for something. That's why I ain't calling falling for progression. It's all that I wanted. I'm ruined affection. I summon and dub it. Woohoo! Oula! La fumée? Oula! Il est mort! Le barbe. Ça va? Il y a plus de bruit! Il y a plus de bruit, il est mort! C'est comment mon gars? Oh mais attends, j'ai jamais vécu un truc comme ça, c'est vachement cool. Mec, ma nuque elle a failli se péter, c'est clair. Genre je peux pas aller dans tous les sens et tout. Mais t'as dû rien capter à ce qu'on a fait là comme parcours là. Là je pourrais pas dire de quel virage on est allé gauche droite, je pourrais rien te dire mais frère, il y a un moment, j'ai cru que la voiture elle se retournait. J'ai cru qu'on était en train de faire un tonneau. Ma tête, elle était là. Et mon, genre mes épaules, j'étais tordu, je sais même pas si à la cam on le voit bien. C'était un kiff hein. Franchement, à refaire, du plaisir, ça glisse. Ça pue la fumée et tout. Ouais non, par contre dedans l'odeur, ça doit être une dinguerie. Oh mec, ils m'ont plié en neuf là, c'est un bordel. Regarde, tu notes combien sur 10? La difficulté ou l'expérience? Les deux. La difficulté, je mets un 8 sur 10. Ah t'entendais ça toi? Ouais j'entends rien. Moi, ah, j'entends, mais toi ça va? Moi j'entends grave ça. Ouais je suis en danger. Non, j'avoue, j'entendais. Ouais, bah, t'entendais tout. J'avoue, je t'ai couillé. Tu sais que là, j'ai mal. Là, ils m'ont enculé, frère. Super. Ouais, donc 8 sur 10, je dirais. Super. Et en termes d'expérience, bah. 4. C'est bah pas, ouais, c'est vrai. Genre, c'est pas le meilleur truc. Deuxième partie, deuxième gage. Oh. Mais. J'ai un train d'enculer. J'ai le locomotive. Mais il a un aimant dans le cul quoi. Il y a plus un. Du coup, je suis en transpiration. En là, fait, là, les gars, saoulé du coffre. J'aurais kiffé avoir le premier gage. Oui, pour être. Je te jure, le premier, et en vrai, ça dire, va. Hein. Et de me, bah justement, de me dire, c'est bon, j'ai passé mon tour sur ça. J'ai le pire, le normalement, t'as pas les autres, ouais. Bon, après, statistiquement, mais après, ouais, t'as peu de chance, on va dire. Là, le vent va tourner là. Statistiquement, il y a une personne, il en a deux. Je suis clear. T'es clair? Je suis le clear. Oula, faut ouais, c'est vrai. C'est plus que bon là. Acteur ou pas? Un peu. Ouais, de ouf. J'ai le gage quoi. Le gars trop honnête. Bon bah les gars, c'est moi. J'ai le gage, mes lecs. On est reparti. Non, non, je tout va bien. Mais okay. Attendez, c'est une dinguerie. J'ai trop de cartes, c'est quoi ça? Ouais, moi aussi. Moi, c'est juste le nombre de cartes. Ouais, après, vous en avez mis 11 chacun. C'est donc ça que t'as vécu tout à l'heure. J'en ai trop là. Les frères, t'as vu, c'est compliqué. Oh, les suites, ça marche?
Non, c'est vraiment. Parce que là, je suis une canne flèche. Tête de merde. Il sort. Qui commence du coup c'est... Bah, Maxime, il donne à Seb. Ah bah, du coup, je vais pouvoir te débarrasser. Pour sûr. Franchement, j'ai fait une fuite aussi. Ok, ok, je suis très content c'est... de ce qui se passe. Y'a pas un monde où tu fais pas une terre en fait. Ah si, y'a un monde, mais il est un peu chiant. Ok. Bah, c'est vrai, il le cache quoi. Ouais. 100% c'est Maxime qui le cache. Bon. Ok. Bon. J'ai un peu moins de stock. Là, je te pioche. Déteste ce jeu, putain. Ouais. Déteste ce jeu de merde. Bah, t'as tout de façon. Oh merde. Waouh, waouh. Ah, vas-y, prends-lui tout, frérot. Putain, Roi Cid, il est grave stylé. Il est propre, hein. Roi Cid. Bah, c'est ouais. Sa vidéo, il signe bien. Je vous ai tous mis bien. King Cid. Les rois. Billy, tu l'as pas trop respecté, mais. Ouais, je suis un peu endormi. Non, toi, ça va, je pense que t'es safe. Ah, j'ai pas envie de pocher chez toi. Pourquoi je... Frère, moi, là, je suis tranquille. Okay. Arrête de dire. Ça te fait un double. T'as dit ça tout à l'heure aussi, t'es parti avec un gars. Mais tu sais, j'étais tranquillou tout à l'heure. Ouais, là, donc là, t'es tranquillou. Là, je suis tranquillou. Quoi là, bande de dire. Eh, va te faire foutre. Pourquoi? Je t'ai donné un bon roi. Ah, mais j'ai cru Pépère. Que tu me préparais un truc. En plus, c'est roi. Ah, non, c'est what. Ah ouais. Bah, tu m'as regardé d'un air gentil, je me suis dit, putain, il est cool ce gars. Non, puis même, il y a une carte que j'ai vraiment pas envie de prendre. Laquelle? Non, elle, tu peux. Donc, grand Maxime. Aucun risque, je sais ce qui se passe dans ce putain de jeu. Ah, bah voilà. En fait, il a vraiment toutes les cartes. Les gars, j'ai trouvé une nouvelle méta. Faut avoir le gage dès le début. C'est de la frappe. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure avec ouais. Le gage, il voyage un peu, tu vois. Ouais, mais il regarde. Bah, il est là, il est resté là, moi. Il est resté là. Je l'ai vu dès le début. Ah, je crois que c'était le gage de cette partie. Non, non. Je comprenais rien. Non, non, viscère-moi un 10 balles. Tiens, un 10. Il est où, 10 balles? Il ressemble à lui. T'inquiète. Tu verras si je suis un Asgai ou pas. Il parle en codé, frère. Non, putain, je peux le dire juste après. 100% Billy, il a pris le gage. Non, je crois que c'est toi qui l'as. C'est une phrase de quelqu'un qui a un gage. Je crois que c'est toi qui l'as. C'est toi qui l'as, enfoiré. Non, c'est pas moi. Oh, sa mère, putain, m'a pas fait le double. Oh yes. Yes, yes. Attends, yes, ça a pas yes, fait le double avec toutes les cartes qu'il a. Ça a pas fait double. Non. Ça a pas fait double, je veux pas te dire mieux, ça a pas fait double. Non. Excellent. En fait, la strat, celle-là, et tu. Ouais. Tu les ranges comment dans l'ordre, toi, c'est généralement? Je les range dans l'ordre, du plus gros au plus petit. Tu veux quoi, là? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Du gros, du petit. Du gros, du petit? Soit le très gros, soit le très petit. Il a vraiment okay. Toutes les cartes. Mais j'ai pas peur, moi. Ok. Merci. Tu veux que je te débarrasse de quoi, mon ami? De tout. D'une carte. Je vide mon paquet. Attends. Il y a des choups là. Choup. Mais on est dans. Si, c'est nice guy lui. Choup. On est dans Cartoon Network là. Spring. Slick, slick, slick. Floup, floup, floup. Oh non. Putain, les deux se resserrent. Je sais que c'est lui qui a le gage. Mais où? Mais je sais pas où. Je sais que c'est toi qui l'as. Il te fait la technique du triangle, du nez. Ouais, du shuriken. Ah, la technique elle est hard celle-là. Je prends celle-là. Mais fais gaffe à que je fasse pas tomber les cartes. On est bon. On est bon ? Mm-hmm. J'ai pris toutes les pains doubles. Piège chez moi, Seb ? Oh, le bâtard, il s'en sort tout le temps, c'est allez, un dinguerie, frère. Chien de merde. Pardon, je t'ai appelé Seb. Je suis désolé. Je te donne ce que j'ai, mais j'ai... C'est le gage ? Il a le gage. Non, bah non, c'est pas possible. C'est Billy qui a le gage. Frérot, oh, le nice guy, il a le gage. C'est toi qui a le gage. Oh, le nice guy. C'est toi qui a le gage. C'est... Non, dis... C'était pas toi, meuf, qui peut pas marcher sur moi. T'as une bonne énergie ce matin. Ouais. Je souhaite que tu mélanges mon paquet. Mais toi, c'est dingue, toi. Et qu'ils disent 1, 2 ou 3 et que tu lui donnes une carte. En fait. Plus que deux. Non, non, c'est moi qui prends ma carte, comme je veux. Voilà. Non, putain. Ça, tu vois, c'est la 1, la 2, la 3. Tu me dis un chiffre. Non, mais attends. Hey, les gars, j'ai une chance sur trois de m'en sortir. Vraiment, c'est pas de chance, vraiment. Gros, je crois que je suis un peu pour toi parce que j'aimerais trop que pour ta vidéo, ce soit toi qui prennes tout. Mais j'ai pas envie. Allez, Billy, on tient. Mon frère. J'ai pas envie de casser l'énergie, ça peut tout casser. C'est vrai, laisse-moi prendre cette décision tout seul. Et les gars, j'ai vraiment l'âme des cartes, regardez bien. Oh, il fait les deux doigts des cartes. Prenez les cartes. Pioche maintenant. Pitié, c'est quoi le gage? Incroyable. Parcours d'obstacle en torche humaine. Hein? On va te cramer en entier? Et je faire un parcours je voulais pas, je te jure, je voulais mais pas. Non, mais ça, tu veux... Mais attends, mais la vie de ma mère, je vais tout faire, cousin. Je suis dégoûté. Mais Cid, est-ce que tu te rends compte? Mais la gueule du mais il est fou, c'est chaud, je vous jure, je le kiffe.
Je le kiffe, mais force à toi. En vrai, dans le premier degré, tu te rends compte ou pas? Il a pas bien. En fait, ce mec, tu sais combien de temps on a négocié avec les cascadeurs pour faire cette vidéo? Tu n'as aucun instinct de survie, frère. Ça veut dire que tu vas canner bientôt. T'as pas la notion du risque. Ouais, c'est pour ça qu'il envoie tout là. Oui, tu cannes stylé. Moi, je dis, je vise le club des 27 cette année, j'ai 26. Je me laisse un an de marge. Quand tu le souhaites. Stylé. Du coup, on te le souhaite. Je bénisse. Non, mais comment ça? Si le canne à 26, on va t'allumer. On allume, torche humaine. Il y a un petit parcours d'obstacles que tu peux réaliser en torche humaine et tu dois faire le parcours d'obstacles. Attends, rappelez-vous ce que tu as dit, c'est crescendo. Ça veut dire ça, c'est que le deuxième. Dis-toi que t'as 30 secondes de consommation. Ouais, bon parcours, 30 secondes. Voilà. Okay. Te mets pas non plus une pression. Non, t'inquiète, pas de pression. Si à un moment, nous aussi, Oscar, à un moment, s'il sent que ça dure trop longtemps, il peut te dire extinction aussi. Même si t'as pas fini le parcours, tu te mets dans la position directe. Ta communication, c'est vraiment... cherche pas à venir nous parler, à nous dire un truc. Hein, c'est vraiment c'est ça, stop. Voilà. Okay, ça. Ok, comment on dit stop? Arrêtez. À l'aide, j'ai à l'aide. Il a un coup. Alors, tu peux franchir le stade comme tu veux, mais si tu sais faire un saut de chat, tu peux faire un saut de chat ou un saut du voleur sur le côté. Ok. Je pense que c'est assez explicite. Bon, là, ouais, j'ai juste à marcher sur les poutres. Je viens. Tac. Et là, ça, c'était pas mis comme il fallait. Tu me fais un saut par-dessus, en fait. Ok. Ça te fait un petit saut. Tac. Et là, on a fini le parcours. Les gars, c'est un parcours d'obstacles, vraiment de mecs en feu. Hein. C'est pas des obstacles de fou, c'est pour ça. C'est... En vrai, moi, rien que ça, je galère sans le feu. Ouais. Oui, non, mais parce que toi, t'es. T'es quoi? C'est pour ça. Tu vas pas faire un saut, tu vas faire ça, et après, tu fais un petit, une petite course. Comme ça, t'as une image de toi qui court en feu. Ok, vas-y. Attends, mais t'es pas censé sauter, genre mettre tes pieds dans chaque plot? Enfin, dans chaque plot? Non! Putain, c'est fou! Faut ça, je cours plus jamais. Car je serais mort, sûrement. Les plaies prend feu, du coup, c'est toi? C'est moi, ouais. Ah, tu vas mettre ça là? Tu vas mettre ensuite là? Ouais. Ah, tu vas. C'est vraiment pendant la torche, t'as froid de ouf. C'est ça le liquide froid? Oh, le ça, c'est de l'eau pour l'instant. Il est tellement heureux d'avoir gagné ce jeu de cartes. Juste pour ça là? Juste pour ça? C'est hardcore, frérot. Non, je sais, mais ça là. Règle la prépa, pour moi, c'est dégage. Regarde ce que tu vas devoir enfiler là. Ah ouais, faut que je mette ça? Ouais. Mouillé comme ça? Là il te les sort bien. D'ailleurs, et sors-le pas. Et sors-le pas trop, ouais. Mais. L'angoisse. Ah là là. On va te mettre trois couches de vêtements. Mais avant les trois couches de vêtements, on va te mettre du produit sur le corps. On va te mettre du stun gel. C'est un gel refroidi. Non, après, je serai mouillé après, du coup. On a prévu des serviettes. Ouais, t'as des serviettes, mais tu vas ça, tu vas dégueuler. Ça va être tout gant quand même et tout? Ouais. Ok. C'est froid comment? C'est froid congèle, hein. Ah ouais? Ah ouais. Ça, en gros, c'est au cas où il y a un petit blême. Mais en fait, c'est même pas au cas où, c'est obligatoire. C'est obligatoire, sans ça, tu fais pas la torche. Je peux toucher? Ouais, c'est mec, c'est glacé de fou. En fait, c'est le fait que ça soit... Ah bah waouh. C'est relou de fou. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir Maxime dans ce gage? Petit corps de lutin là. Nous on est des frêles. Comme ça on aurait fait ça avec nos corps ridicules. Ah ouais putain, je suis tellement pas avec toi là. Je suis trop content. Ah de ouf. Mais mec, le truc visqueux c'est énorme. Mais du coup ils vont le mettre dans son fiac et tout là ou pas? Faut que je mette ça dedans. Arrête, tu veux le mettre? Tu veux venir le faire? Porte tes couilles. Partout dans les creux. Vraiment dedans? Dans les creux et tout. On dirait que je me branle. On dirait juste que je me branle. C'est... Eh, ce fou, il y a des gens qui regardent, il est... Ouais. C'est moi le voyeur du parking. Ouais, c'est moi le voyeur du parking. Faut que je mette dans, genre, sur mon anus, genre. Tu mets bien partout au niveau des fesses, entre tes... Ah ouais. Attends, mais t'as pas de douche, en plus, c'est juste que tu te sèches. Ouais. Mec, là, c'est une situation de ma vie, j'aurais jamais pensé vivre ça. Et je commence à kiffer, tu vois, bizarre. Vénard. Oh ouais. On va te mettre le premier pantalon mouillé. Il est gelé. Mec, je suis gelé sans délire. Ah, tu as un petit spermatozoïde comme ça, c'est tout mignon. Vraiment même au toucher, hein. Bah, tu vois, on va même plus te mouiller. Moi, je commence plus à avoir froid, tu vois, j'ai tout ça. Voilà. En vrai, premier deck, tu regrettes un peu là? Je regarde pas parce que c'est quand même excitant. Je regarde de fou. Ouais, parce que si jamais tu fais pas assez mouillé, quoi. Ouais, quand il y a des endroits secs encore, tu vois. Attends, je vais tout. Moi je suis bien moi. C'est glacé. Ah, regarde ce qu'il pend là, tu sais. Tends la tête. L'autre tête. L'autre tête. T'as la pression ou pas?
Mettez-lui les chaussettes, les gars, ça sera plus simple pour les enfiler. Bah, tu vas brûler, mec. Ce gars n'a aucune pression. Même quand il essaye de faire quoi? Ouais, il a la pression. Je suis terrifié. Il est fou, ce mec. Ouais, c'est dur, là. Les gars, franchement, je vais mourir, mais ouais. Je vais prendre feu, donc un peu chaud quand même. Ça rappelle le GP un peu, ça part. Ouais, le GP, mais tu sais, s'il pleuvait de ouf. On va tester la mobilité là. Tu vas te mettre comme ça, Tom il va te mettre beaucoup de pâte à feu sur ton dos. Ok. Je vais t'allumer et je vais te dire t'es en feu. Dès que je te dis t'es en feu, je vais bien crier comme ça tu vas m'entendre, tu pars. C'est un peu plus lourd. Oh, voilà, c'est lourd. Et là nous on t'éteint. Bah les yeux. Ça, c'est juste le fait que je t'étais pas de Tom. On dirait, il était en cire. Ah, mais on dirait, voilà, c'est une AI, genre okay. Une IA, pardon. T'as vu le film d'horreur La Maison de Cire? Il est fou ce film. À la fin du film, les trucs ils fondent un peu. Mais je vois plus rien. C'est l'intelligence artificielle. Le prototype, il a déconné là. Mec, c'est quoi ce bordel? Imaginez, ça part en couille, il commence vraiment à hurler, mais nous, on croit que c'est trop stylé, genre. Oui. Ouais, j'avoue. Imagine, on rigole. Il appelle vraiment à l'aide, genre, il est comme ça. Oh, les gars, mais ouais. Vas-y, donne du spectacle. Ça dit quoi? Il va se faire allumer et éteindre dans la même vidéo. Dans la même journée. Sid, je t'aime, moi. Sid, what? What? Oui. What? Ouais, t'as vu la chaleur? Mais de là, ça a l'air d'aller. Ouais. Oh oui, il fume encore. Regarde, il fume. Là tu vas voir, tu vas avoir un appel de chaleur. Ça te fait pas un appel de chaleur là? Ouais si, là c'est en délire là. T'as rien senti, frérot? T'as rien senti? Arrivé là, je commençais à sentir un peu chaud dans le dos et tout, mais là ça va. Ouais, c'est un délire en vrai. Mon gars, bravo. Encore là? Ouais, encore. Arrête. Si, si, normal. Je le disais, j'ai chaud. Regarde, tu vois pas là, Si, si, tu crames encore? Tu crames? J'ai chaud. C'est... Ça crame là-bas? Bah, tu brûles, voilà. Ce coup, je soulève. Non, de l'autre côté. Non, de l'autre côté. Là. Voilà, là. Là, il brûle. Il y avait une flamme dans la cage. J'ai chaud là, ouais, je le disais, j'ai un petit peu chaud. Regarde. Mais oui, ça crame. Brûle, mec. Allez, bon, on va changer comme ça. Ok, à vos cartes. Les gars, j'ai pas de paire. Mais j'en avais que une, c'est très peu de paires à chaque fois. Ok. Écoute, je m'en suis sorti alors que j'avais vraiment genre tout. Frère. Ouais, toi, c'est fou. Hein. Non, les gars, ça veut rien dire, les paires, tout peut se passer vraiment. Ouais, mais en vrai, ça veut rien dire du tout. Mais quand même, allez, tiens, ça te met en confiance quand tu pars avec deux cartes. Ah, j'arrive pas à capter qui a le gage. Je crois que c'est Mickey qui a le gage. Non, pour le coup, non. C'est Seb. C'est Seb qui a le gage. Je pense à ta vidéo, mec. Non, c'est bien. J'essaie de voir dans le reflet de l'objectif. Je sais pas qui a fait les cartes, mais là, c'est juste pour m'adresser à la prod. On voit le petit détail, elles se différencient, les cartes. C'est vrai? Ouais. Bah, comment ça? Elles sont vraiment toutes imprimées au même endroit. Je vous expliquerai après, sinon vous allez chercher ce que c'est le détail. T'es en train de nous mindfuck. Je le vois de où? Ouais. Il a essayé. Mais oui, c'était vraiment, ça a vraiment été fait au même endroit, tout pareil. Et voilà, tu vois, là, ils vont s'en réviser. Mais non, vous allez tout voir, je suis un ouf. Alors, qu'est-ce qui m'intéresserait? Bah, je pense que c'est tout ce que tu veux. Oh, c'est vrai? Bah, j'ai oublié. Tu ranges un peu dans l'ordre, pareil, comme tout à l'heure? Là, j'avoue, j'ai pas trié parce que il j'ai de rien. Passif, agressif, là, j'ai pas de. J'ai pas de carte, j'ai pas de paire là. J'ai pas de carte là, tu mens. On est pas ça. J'ai pas de carte, tu vas pas me dire. Tu me crois pas? Ah, donc je suis menteur. J'ai du mal à te croire. Ok, donc je suis menteur. Ouais, je dirais menteur, tu vois. Bah, franchement, ouais. Franchement, ouais. T'as pas de paire? J'ai un paire. On va piocher cette petite carte, hein. Ok. Allez. Ok, bien. Bien, mais pas de paire. Non. Pas de paire, frère, je suis dans. Mais t'as 18 cartes. J'ai pris ma carte. Mais attends, si je la reprends, je suis dégoûté, par contre. C'est à moi de piocher. T'as pris la carte de ma fille. Mon gros moment. Mon petit coquinou, là. Elle a un bilan carbone. Allez, mon coquin, tu me pioches ça? T'as rien qui pourrait m'embêter, je pense. Quand t'es safe. Ouais. Surtout par là, t'es safe. Tac, tac, tac. Tu me voles mes bugs. Ça a l'air cher de ouf. Tac, ok, je pense.
Flo. J'essaie de donner un peu d'attitude. Non, t'as raison. Oh là, elle est un peu cornée celle-ci. Ouais. Alors attends. Tu peux un peu corner toutes. Ah, t'as raison, je les corne toutes. Oui. Tu l'as juste retourné. Ouais. Comme ça, tu peux pas. Ça se voit. Je les corner en bas. Allez, mais putain! Tranquillement. Avec le gage, il est. Ou peut-être ça. Ouais. Plus la carte est accessible, plus elle te rendra service. Ridicule. Nous, on joue aux cartes et. Elle va me rendre service. C'est une théorie de merde. Elle va me rendre service. Bon, moi, il me faut du. T'as du choix ou t'es un mytho? Je te dis, le gage, il est. J'en ai 4. Moi, j'ai 100% confiance. Moi, j'en ai 4 aussi, mais juste. J'ai. Mec. Non, c'est pas attends, possible! Mais... Les gars, troisième gars! Non, mais attends, mes frères, c'est pas possible parce que cette carte-là, je l'ai vue tout à l'heure dans ma main, elle est là. Mais c'est pas possible! Mec, c'est impossible! On peut faire des. Non, avec un cas exceptionnel, on peut faire des mariés, genre roi et reine ensemble, mais. Non, vraiment non, pas. Non. Ouais, non. Une tête, ça veut dire. Donne-moi une tête! Une tête, c'est-à-dire. Une tête? Genre valet, dame, roi. Tiens, t'as un valet juste là. Valet? Vas-y, je le prends. Mais non. Mais t'es con ou quoi? Mais c'est fou de... Tu vois bien qu'il est dans une merde intense. Mais tu crois que j'ai oublié que t'es un connard. Mais t'as oublié que j'ai 12 cartes. C'est ça que t'as oublié. Ça y est, pense aux autres. Pense aux autres. J'ai dormi 2 heures. Je veux une... Frérot, il peut tout se passer à cette partie, sois attentif. Mais putain, t'es chiant. Mec, j'aurais pu te donner, j'aurais un gage. Parce qu'en team, ils sont en équipe. Putain. Je vais activer l'âme des cartes. Non mais c'est un poteau, mais fais âme des cartes, vas-y. Dans ce cas, il y a tellement de choix qu'il y a forcément un autre truc qui t'arrange. Oh j'ai tout. Je suis en magasin. Mec, c'est trop bizarre. Dis-moi que t'es. Non, j'allais péter mon crâne. Il y a des nouveaux persos dans le jeu. Ça fait 8 tours que j'ai 4 cartes. Quoi? Allez! Il n'y a pas de paire? Mais non! Mais ça y est maintenant! Donnez-moi une paire avant. S'il y a des choses, je me suis fourvoyé là, c'est parti là. Seb, s'il te plaît, prends le gage. Alors vas-y, j'ai le gage, je te dis, j'ai le gage, prends-le. Je le sais bien, je le vois. Tu. C'est un secret pour personne ici. Vas-y, vas-y. Attends, je le sens pas, non, je le sens pas. Oh, mais c'est chaud. J'ai pas, j'ai rien. Là, s'il a un double, c'est la merde là. Ok. Ok, Maxime. Ah, j'ai pas de pression par contre pour qu'on ait pas. Tiff. Force un peu. Voilà. Oh, il te reste combien de cartes, 3? Oh, j'ai pas envie de l'avoir, lui. Est-ce que t'as un 9? Ah, tu veux un 9 là? Par exemple. Non, mais au cas où. Est-ce que tu veux autre chose? Peut-être un roi. Ouais. Ouais. J'ai. Ah, t'as un roi? Ouais. C'est pas possible, j'ai compté les rois. Ouais, c'est un inventaire, y'a plus de roi. Y'a plus de roi? Il demande, il n'y a plus de droit. C'est pour le crame comme ça. Ah, ouais. Ouais. Ah pardon les gars, pardon, il n'y a plus de droit alors. J'ai dit que j'avais un roi, on m'a dit c'est faux, donc j'ai dit bah j'ai pas de droit alors. Voilà, c'est ça, ça se trouve, il a un roi. Tu le défends. Vas-y. Il s'est parti. Il veut absolument se taper. Il veut vraiment se taper. Là, en fait, il s'est cramé dès le moment où il a dit attends, je me trouve caméra. Non, je l'ai fait à chaque partie. Okay. Non, on n'a pas vu les parties d'avant. Parce que tu me regardes pas, Billy. Vas-y, 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 touche ses prix. J'ai tout touché, donc. T'es bien. Mais faut que je m'en sorte, j'en ai marre d'être. J'ai pas de quoi me débarrasser, c'est chiant. Mais attends. Oui, mais t'es chiant, c'est ok. Ah, c'est vrai, tu pioches. Pas quand il va avoir le troisième gaz. Ok. Let's go. Oh là là. Let's go. Oui. Mec, c'est incroyable. Attends, mais c'est dingue parce que si tu me donnais une paire, j'avais gagné. C'est incroyable la sensation. T'es bien de obligé de piocher le gage. C'est ça la sensation. Donc là, c'est un régal. Ah putain, je suis bien. T'es de l'autre côté là. Tu vas voir le gage. J'ai toute la frappe qui veut. Viens, parce qu'en fait là, c'est ce tour là qui définit qui a le gage. Frère, pose les trois. Et tu choisis. Ouais, en mode on joue et tu mélanges comme ça, vas-y. Comme Luigi sur Mario 64. Tu sais, les arnaqueurs de rue. Non, il va m'arnaquer. Je vais te dire quelle carte prendre. Comme ça, si ça merde, c'est de ma faute, vraiment. Ok. Mais la frappe du quartier, elle est approuvée juste ici, là. Ça, c'est la frappe du quartier qui est approuvée. Denis, on a un gilet, je fais du mental. La frappe.
frappe de quartier. Non, non, la, celle que t'avais dit, elle était bonne. Frappe. Mais oui, dit la bonne. Elle était bonne. Elle est passée à côté de la frappe. Il a loupé la frappe du quartier. Vite, ma mère, je vais pouvoir l'ouvrir. Attends, attends, si je calcule bien là. Si j'ai une paire. Attends, j'ai pas lu. Si j'ai une paire, j'ai gagné. Non. En fait, j'ai une chance. C'est pas fini. J'ai 2 chances sur 3 d'avoir gagné là. Ouais. Oui. C'est pas fini. Hein. Ouais, calme. J'ai envie de péter. J'ai envie de péter le stress. Mais vas-y. C'était par la bouche. Ouais. Ou tu peux juste de la gueule. Ça sort de tous les côtés. Quel est ton rapport au vide? J'aime pas spécialement. Tu détestes? Toi, ça va, non? Ça, il te met mal à l'aise? Moi, c'est... je kiffe. Mais tu peux ne pas mourir. Enfin, Non, mais on va pas mourir quand même dans ma vidéo. Non, on va pas mourir. Ok. Réfléchis pas, j'en prends une au hasard. Oh, au pire, réfléchis pas. Je regarde même pas. Ouais, regarde. Réfléchis pas. Non. Il est en détente de ouf. Et moi, c'est zéro cash. Moi, j'ai fini. J'ai abusé, je s'en sors super. J'ai fini. Et attends, juste. Ah. Ok. J'ai rien dit. D'accord, ok. D'accord. Okay. Le temps, il est bizarre là. Regarde la toiture, comment elle est mouillée, genre, tu vois. Il pleuvait tout à l'heure quand je suis arrivé. Non, mais après, on sera sur. Oh, un peu plus chiant que ce que je croyais. Ouais, ouais, non, mais. Peut-être un. Bon gage. T'as vu, c'est très urbex. Ouais, de ouf. Oh, tout est crapuleux ce tournage en fait. En fait, je pense que plus tu vois le sol et plus tu te rends compte de où t'es. Plus ouais. C'est chiant. Ouais, parce que quand t'es très haut, ça ressemble plus à rien. Quand t'es en haut, c'est plus haut, voilà, quand même. Quand parce qu'en bas, on était en mode ouais, ça va. Là en haut, il y a une petite clim, tu vois. Mais t'as vu d'en bas, bas on se dit, ouais, c'est quoi alors... On est au balcon, mais quoi. Imagine-toi. En gros, il va devoir aller de la ligne rouge là et longer la ligne rouge jusqu'aux escaliers là-dedans. Essaye de reculer un peu, non? Dans ta cam. T'es au bord? Ouais, je sais pas. Y'a combien de mètres à parcourir? Il y a 30, quoi. Ah, ouais, t'as 30 mètres, ouais, putain, quand même. Et du coup, l'idée, c'est que tu utilises le moins possible les mains, quoi. Voilà, c'est possible. L'idée, c'est que tu tombes. Là, il y a 3 mètres d'échauffement. Tu nous dis quand tu veux ton équilibre. Là, ça me paraît drôle. Hein. Je sais que j'ai un très mauvais équilibre. Tu sais, les trucs de poutre quand on était un peu au collège et qu'il y avait des trucs. Ah, ouais. Non, ça prend pas. Ouais, c'est pas instinctif. C'est pas mon vrai truc à moi. Je vois. C'est pas vrai. Vous allez viser vraiment une ligne d'horizon vers où tu vas. Ouais. Voilà. Pas regarder ses pieds, mais regarder là-bas loin. Comment tu t'en es bien sorti, toi? Bah, lui aussi. Vous deux, là, ouais, vous deux, c'est. Je suis trop bien. Vous deux, c'est royal. Et je passe une journée royale, frère. C'est que du spectacle. Je suis plus là, regarde. Je suis aussi noche, je regarde. C'est que je trouve un point, je me dis, tiens, c'est celui-là que je vais essayer. Point d'arrivée là-bas, ouais. Ouais. Voilà, très bien. C'est bien. C'est mieux que regarder en l'air. Je crois qu'il peut mettre un casque en mode s'il tombe, il ne meurt pas. Genre, je pense pas que le casque. Le casque là, le casque là, tu tombes. De 15 mètres sur le dos. Des gants aussi, des mitaines. Avoir un casque, même si tu tombes de cette hauteur. En fait, c'est la réponse. C'est ça. Normalement, c'est pour les chutes de pierre. Ouais, ok. Genre là, dans quel cas, dans quel scénar, le casque, il lui sauve la vie? En fait, faut qu'il tombe full sur le casque. Ouais, encore même ta tête. Il reste comme ton équipe, il reste possible. Non, ouais. C'est vrai que sur YouTube, on l'a plus vu en baudrier qu'en voiture. Tu peux aller jusqu'où, toi, dans le vide? Moi, c'est. Moi, Max. Là, ça, je commence à avoir envie de tomber dans le sol, genre. Dans le sol. Tu vas aller plus. Ouais. Toi, la bille, t'es vraiment max. Mais t'as pas peur que le vide. Moi, j'ai peur que le vide, il m'appelle des fois, tu vois. Ouais, j'ai failli tomber. T'as vu? Moi, ça me fait vraiment pas peur. Je peux vraiment. Allez, ok. Allez, Seb, tu vas y arriver. À toi maintenant. Je suis Spider-Man à partir de maintenant. D'accord. Je me rappelle bien qu'on n'a pas fait ce petit accolade pour mes gages, mais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. T'as laissé dans la merde, ouais, non, j'étais comme ça. On n'aurait pas fait ce câlin. Oui, c'est vrai que c'était un peu moins dans le van. Seb, tu vas y arriver. T'es Spider-Man. J'ai aucune idée de ce que tu sais pas où tu viens sur une corde. Oui. Mais je trouve ça marrant. Mais t'as vu, c'est ça t'excite là? Ouais, un peu plus impressionnant d'ici que dans le van. Il a pas peur, frère. Il a pas peur, j'ai passé un mois avec un baudrier là. Mais oui, frère. Il était dans des crevasses de 10 km. Oui, c'est vrai. Le jeu est le jeu, qu'est-ce que je te dis? J'aurais rêvé voir Max ici. Putain, j'aurais kiffé. Non. Toi dans la. Dans le feu. Avec la prépa. Ah, la prépa. J'aurais hâte. Ah ouais, waouh, attends, ça donne envie de regarder. Non, les gars, je vous jure, c'est chaud. Je vous jure, c'est chaud. Non, c'est chaud. Regarde, ouais, le premier pied à poser, il est bizarre. Non, j'avoue, pour se lancer, ça serait un petit vide. Le premier pied à poser. En plus, c'est souple, c'est pas du tout rigide. Ouais. Voilà, je regarde loin. Il y va, il a pas peur. Oh, il est chaud, sa mère. T'as vu, il regarde pas en bas, il regarde. Ouais, en fait, c'est ça. Il calcule pas le truc. Mais attends, si son pied, il glisse, c'est comment, là? Oh là! T'as vu, il a dit...
deuxième ou attends, c'est... Tiens, après là, je trouve il porte pas le meilleur sweat pour ce qu'il est en train de faire. Il me regarde en plus. Ah, les couilles de fou. Oh là là, mais quel champion. Allez, grosse couille. Tu lâches les mains un moment ou quoi? Bah, attends, faut que je passe. Comme ça. Non, plus tard, t'inquiète. Bon, t'as tout le temps. De toute façon, t'as tout. Bah, oui, il monte là. J'ai peur que. Tombe du fil rouge, j'ai peur. Mais en fait, je rêve qu'il tombe du fil rouge, j'ai envie de voir ce qui se passe quoi. Bah, attends, en vrai, s'il tombe du fil rouge, c'est-à-dire que la corde verte elle tombe jusqu'en bas là. Ça veut dire quoi, ça veut dire? Bah, c'est ça en fait, il s'enclut contre le mur. Il va revenir contre le mur, il va s'enculer. Les gars, c'est impossible. C'est impossible de tenir sans les mains. Bah ouais, si c'était une slackline à la rigueur. Une wide line, je me suis dit, tu vois. C'est quoi une slackline? Aucune idée, cousin. Ok. Ça, c'est une wide line. Eh, je suis pas bien de fou là, vraiment. Mais t'es spectateur. Mais frère, regarde ses pieds. De vieux tremblotants, frère. On trouve que c'est un peu trop facile, on va commencer à mettre des petits coups de cut sur la corde. Ok. Ouais, et puis tu vas devoir marcher un pied à cloche-pied. Oh. Quel enfoiré. Il s'en va. Non, il est en détente, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Regarde. Oh. Oh là 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 là, mais quelle classe. Il est revenu comme un... Ah, c'était MJ. Je crois que c'est son corps qui a voulu, pas lui. Eh, Seb, est-ce que ton cerveau il arrive à sauter? À sauter? Est-ce que, ouais, est-ce que là tu pourrais te jeter dans le vide comme ça là? Est-ce que ton cerveau te l'accepte? Ma petite voix dans ma tête elle me dit saute. Ça, bah, écoute là, la petite voix dans ta tête c'est toujours elle qu'il faut écouter. Ouais, t'as un blocage psychologique. Mais là, c'est pire, ils veulent pas partir hein. Bah ouais. Oh. Let's go. Attends, c'est champion du monde. Plus bon, ça. Comment il remonte là? Ah oui. Bien le coup. Oh. Seb, attention la corde, non! Sa mère là! Oh sa mère! Un pied sur la rouge? Oui! Oh Spider-Man! Oh là, c'est incroyable! Il gère ça sans problème! Incroyable! Bravo champion! Tu peux te toucher? Ouais! Ah non! Mais tu sais que toi ton cul, je le vois comme une sorte de petite grotte! En fait, ça fait une petite grotte comme ça un peu! Tiens, j'ai l'impression que quand tu vas chercher un P, tu vas. Genre vraiment ton corps il se vide entièrement, il y a tout un truc qui se passe. C'est-à-dire qu'une fois que le teps il est sorti, il y a plus rien à proposer. Il y a plus, il peut plus respirer, il y a plus rien. Incroyable. Les gars, c'est trop bien, t'as kiffé? Bah en fait moi j'ai passé un super moment. Ouais, c'était ouais, dans la peur ou quoi. Ouais, comme ça les gages bien relous. Voilà, bien relous les gages. Billy, je pense qu'on peut retourner jouer. Et jouer le quatrième gage. Effectivement. Allez, là, c'est la dernière. Maxime, j'espère que tu te le manges. Franchement, j'espère aussi. J'ai envie qu'il se le mange. Vous êtes méchants, les gars. Non. Mais non, pourquoi mais pas ça... sexe? Pourquoi moi? Sexe la frite. Sexe la frite. Il y a plus de mauvaise énergie. Là, c'est le dernier tour. Ouais. Vous entendez le bon gars. Il y a plus de nasgaï. Il y a plus de... Je commence avec deux cartes. Oh. T'es en tu as l'air bien silencieux. Non, je réfléchissais. Tu réfléchis à quoi? Comment me démerder, Dan? Ah ouais. T'es dans une merde. T'es dans une galère. Comme toi, en vrai. Non, moi, je suis bien. Franchement, je te jure, je suis bien. C'est vraiment le premier tour. Il n'y a pas trop de stress. Il a vraiment le gage, ce bâtard. Non, il a le gage. Mais moi, j'ai le gage. Pas d'abîmé. Méfie-toi tes amis. Méfie-toi de ceux qui pensent. Oh qui... Franchement, Max, merci. Bah, de rien, mec. Merde. Hop, franchement, ça se débarrasse. Écoute, j'ai un peu de tout. J'ai du haut, j'ai du bas. N'utilise pas maintenant, n'utilise pas maintenant. Je suis obligé là, le gage. Je dégage avec ça. Le fou. Putain, je l'ai activé pour rien, je suis dégueulasse. Un petit au hasard là. Je l'ai activé. Il est activé par un stress, juste il a une peur, il l'a activé. Tiens, frérot. Franchement, sois serein. Je crois que ça va. Sois serein tranquillement. Toi, t'es tranquille, toi, t'as aucun stress, tu sais où aller. Bah, j'ai un petit stress. Je veux me débarrasser de mes cartes quand même. Mmh. Tu vois, là, c'est chiant. Ça, je comprends, ça, je comprends. Tiens, mon frérot. Bah, bon, bah, ouais, je prends ça. Mon 7. 7. Bon. Allez, ça, non. Ouais, ils me servent pas trop, ça. Bah, oui, il est en train de tricher, là. J'ai une confession. J'aimerais bien, genre. Attends, Maxime, confession. J'ai une petite confession. Il y a le R dans les deux. Je voudrais pas que tu perdes des cartes et tu les as. Ah, je peux plus, putain. C'est quoi ta confession? C'est qu'en fait, quand t'as distribué les cartes, il en a grave pris des à moi.
prends-la. Il est parti avec 4 cartes en plus, peut-être 3, je sais pas. Regardez, il me prend vraiment pour un con. Ta mère t'a grillé. Il me met la carte en évidence pour m'inciter à la prendre, mais il sait que je sais qu'il va me couiller, et il sait que je vais prendre celle-là, du coup il l'a vraiment mise là. Je suis trop chaud. Une carte ? Ouais. Mais non, mais t'en as deux là. Ah oui, mais celle-ci, je les aime pas trop. Ah, ah non. Et en plus, Billy, il a pas vu le problème, il s'est dit, vas-y. Ah ouais, Billy, ouais. Il a une carte. Putain, mais ça me fait aucune paire. Oh yes, 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 sale chien. Juste donne-moi une paire, s'il te plaît. Je n'ai aucune paire, je te nique ta race. Mais frère. Frère, elle est revenue là. Elle a fait tout, elle a tourné partout. Ça y est. C'est ça que je lui ai donné tout à l'heure. Elle a tourné, elle est revenue. Ça veut dire qu'il a pas farmé, il a rien, non, il a aucun XP. Rien à faire depuis tout à l'heure. Ça me fait chier du coup ce que tu dis. Pourquoi? Oh c'est chiant ça. Toi t'es sérieux. Ah, je te la reprends. Ouais. Tu veux autre chose? Ouais. Ok bah vas-y prends autre chose. Oh, un peu mieux. Le mais non les gars. T'as pris un bête de trait. Non ça marche pas non plus mais Ah je croyais que ça faisait vraiment une paire. Ouais c'est pour le gag quoi. Ah je pensais que t'avais gagné. En fait pas du tout. Oh. T'aimes? Ah mais c'est la dernière. Je suis l'heureux élu. Je suis l'heureux élu. Zélu. 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 Je suis l'heureux Zemmour. Je suis l'heureux Zemmour. Je suis le Zemmour. T'as un V, t'as un D. Oh yes! J'ai un V, j'ai un D. Mais frère, si j'ai rien, c'est une singerie par contre alors. Si t'as rien, c'est une singerie. Attends. Donne-moi un truc, frère, s'il te plaît. Si tu me fais confiance, tu me fais confiance ou vraiment je vais me faire foutre. Frère, est-ce que t'es la personne, je pense, qu'il faut le moins faire confiance peut-être sur Terre? Tu crois? Avec peut-être des meurtriers. J'ai pas dit non, ouais, j'allais dire à Blaze. J'allais dire à Blaze. Ouais. Ok, vas-y, est-ce tu quoi? Est-ce que tu joues à je vais essayer de changer d'avis sur toi. Peut-être que je t'ai mal jugé et je te fais confiance. Okay. Donne-moi un V ou un D. Tu fais un V ou un D? Alors tiens, prends un V. Ok. Pourquoi je fais confiance à ce mec? C'est une merde humaine. Mais tu oublies pas la mission commune. Je fais confiance à ce mec. Oublie pas la mission commune. Mais oui. Là, il y avait aucun suspense. J'étais tous en mode. T'as fait ça le tour d'avant aussi. En fait. Mais gros, mais en fait, j'ai trop un bon fond. Je suis en mode, il est gentil. C'est pas possible. Il était trop en mode. Gros con, en vrai, je suis pas dans le jeu là, y'a plus de jeu, y'a plus de trucs. Fais ta vidéo et je rentre chez moi. Je me casse. Non, tu vas revenir faire le gage et après tu pourras rentrer. Oui, non, y'a pas de gage, y'a pas de gage, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, bah d'accord, mais y'a pas de gage alors. On joue à la bataille ensemble. Y'a pas de jeu, en fait. Ouais, moi je passe un bon moment là, viens, juste on fait ça. Tu me fais confiance à moi? Le gage, non, c'est. Je fais plus confiance à personne. Tu veux un 7 ou un 9? Je vais voir si tu es nice guy. Je donne un 7 ou un 9. Nice guy? Oui. Vas-y, dis-moi, on va voir, je vous dis si... Non, attends. Là, je sens que c'est plus Nasdas, genre... Ouais, ouais, il va te dire. Là, c'est la GD. Donc, t'as pas de nice guy, là. Écoute-moi bien, j'ai pas seulement un 7 ou un 9, j'ai les deux. Oh. Et je te propose de t'en donner un des deux. Il est en train de te faire pile ce que je viens de lui faire. Oui, sauf que c'est la différence entre toi et moi... On va voir si... Moi, j'ai un bon pour la baiser. Voilà. Vas-y, attends, on va voir, vas-y. Je suis un enculé. Attends, je l'ai pas pris encore. C'est vrai. Ah c'est enculé, mais qui sait pas faire. Bah, je te dis que c'est ça. Il est con. C'est vrai, il m'a baisé. C'est con. Mais il est con, c'est vrai, il m'a baisé. Il a fait regarde, je suis un connard. Je suis pas sûr. Non, c'est vrai, il m'a baisé, il m'a baisé. Mais non, oui, non, oui. Bah, il t'a baisé, il a vraiment pas fait grand chose. Hein. Il m'a baisé. Franchement, c'est toi qui as fait. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai que parlé là. Je pense que t'es juste con, mais. Tu sais te rattraper ou t'as juste mis les deux qui sont pas les bonnes? Pour me baiser dans tous les cas. J'ai mis une bonne et une mauvaise. On voit clair. On dirait qu'il tourne ses cartes de l'autre côté. Frérot, pioche dans son autre main. Les deux qui restent, t'auras deux fois plus de chance. Oui, ok, je les remets. Voilà. Moi aussi, j'en prends une. Il a cru, on avait pas vu. Mais attends, j'ai pas eu le temps de. Oh, vous avez choisi. J'ai touché. Ok, il m'a baisé. Touché, c'est touché. M'a baisé. Mais non, ça change rien de toute façon. Bah, ça change tout. Bah, t'as qu'à lui faire. Quoi? Mais ça change tout, c'est moi qui vais me récupérer le truc. Et là, je pensais toi maintenant. Mais pas du tout. Mais t'as le gage, mais Seb. Mais on sait pas. Mais on sait tous que t'as le gage. Mais il est marrant ce 7. Il a eu le gage. Et il a eu le gage. Non, le 7. Bon, okay, en tous les cas, d'accord. J'ai peut-être un truc, effectivement. Là, c'est du pifomètre. Même moi, je sais pas, regarde. Stop. Je vais vraiment pas les places. Si, ça change de place. Prends-les. T'as un 7 dans ton jeu. Attends, hein? T'as pas de paire là? J'ai pas de paire. Mais t'as un 7. Wesh. J'ai un 7. T'as un 7. Il est là. Allez, non, je t'ai baisé. Tu vois, je t'ai donné le 7. Ah, je t'ai baisé. Je t'ai donné le 7. Oh non, tu dois piocher. T'as vraiment pas donné. T'as voulu me baiser. Attends. Baisé troisième fois, Il doit piocher.
Oh mince. Putain, mais sa mère. Ah, ça me fait chier. En vrai, ça me fait chier. Par contre, j'ai mon double. Ah bah, trop bien. Trop bien. Mec, attends, mais je me fais une... Aïe. Chanter une chanson premier degré devant un zénith. Et du coup, c'est le zénith de Big Flo Oli le 14 avril. Et du coup, c'est 7000 personnes. Il y a 6-7000 personnes. Et Flo, il m'a dit, j'accepte, à condition que la musique, ça soit Wrecking Ball de Miley Cyrus. Ça serait... Il faut qu'on voit avec les équipes, avec Oli. Je te dis ça demain. Le son, ça sera Wrecking Ball de Miley Cyrus. I came like a wrecking ball. Bien dans les aigus, bien. Il m'a dit, c'est pas en première partie, hein. Il m'a dit, c'est pendant le concert, ils arrêtent tout, noir, tu rentres, ça chante, ils reprennent. C'est pas prendre c'est pas en première partie. Ça, par contre, c'est vraiment terrible. C'est vraiment, il y a tout le monde, ils sont déjà dans le concert, ils coupent, tu rentres, Même eux, ça leur baise une ambiance. Ouais, mais c'est les frérots de ouf. Parce que moi, je me suis dit, tu sais, ils vont boire des petits sodas au début. La scène, elle est en train d'être installée. Tout le monde est là. Ils sont dans un truc. Ils sont là. Tu leur coupes le truc. Ils ont commencé le show depuis 15 minutes, 20 minutes. Dis-leur le rappel. Hop, écran noir après une musique et toi, tu rentres. Bah, non, oh, tu rentres en rappel. Tu parles en rappel comme ça. C'est le seul gage anxiété sociale. Ouais, voilà, c'est vraiment l'anxiété sociale. Les autres, c'est un peu peur physique. Là, c'est vraiment, tu tapes dans le. J'ai une méta de fou. C'est quoi? Tu vois, quand t'es un peu fatigué, tu rêves dans le vide. Genre, tu regardes, t'es pas là. Tu rentres sur scène, mais tu rêves, genre tu vois pas tout le public. tu les entends. Oh, le zombie sur la scène. Merde, il va nous enculer notre show. Tu viens enculer un show. Time est précis. C'est toi qui as voulu la musique, hein. Wrecking Ball, elle est dure Wrecking en plus. Ball, j'ai appris. Tu m'as dit 1 minute 30 max. Ouais, 1 minute 30. Du coup, ça dirait un refrain. Voilà, ça suffit. Non, mais c'est ça bon. Ça suffit. Ouais, je pense que ça suffit. Vas-y, ok. Tu sais qu'elle est gênante, elle est longue. Ah non, mais elle est horrible. Ça, Manas, nique ta mère. Allez, let's go. Allez, on y va. Allez, on y va. Ça fait longtemps. Ouais, de ouf. Bande de gâcheurs de show là. Est-ce que t'as la prod ou pas? T'as la prod, on est d'accord. Ah, t'as l'instru. Très bien. J'ai l'instru sur WAM, genre. Très bien. Oui. Ah, tu veux le faire à capella? Non, t'es ouf. Ah, non, voilà. Non, l'instru. Ah, mais quoi, t'as pas trouvé l'instru? Quoi, on va trouver? T'arrives sans rien là? On va trouver, frère. Ouais. Malade ce mec, t'as même pas une clé USB, rien. On est super en retard, faut aller sur le plateau. On va se démerder. il faut maintenant. Ok. Il faut que tu la trouves en 3 minutes. Ah non, je vais vers Capella. Le mec, il vient sans rien. On va chanter, là. Je pensais que dans le genre... Et elle est où, la prod? Je crois que vous aviez comme, tiens, au une dit, banque. Les gars, vraiment sur l'air. Vas-y, ça va, Paul? Venez. Ok. Là, on a le délai. C'est-à-dire, genre, il chante là-bas, là, en plus. Oui, là, mais là, frère, tu vas te mettre devant, là-bas. Tu vas prendre un coup de presse parce que là on voit pas, mais ça monte très très haut là-bas. Ah, si, là. Moi je vois là. Je vois rien. Non, mais fais... oui. Ça donne ça, frère. En gros. Oh ouais, putain. Tu vas être là, tu vois, à la place de Flo ici. C'est toi. Avec mon cœur, il bat vite là. Je fais un arrêt. Ah ouais, ça m'a calmé instant. Comme ça, c'est débarrassé. C'est pas plus mal. S'il m'oublie carrément, c'est mieux. Grosse merde. C'est eux. Ça grosse, c'est un peu tôt. Ah, c'est un peu tôt. C'est un plaisir que je sois là. Ça va être vraiment un moment de cringe. Donc derrière, on rattrape avec le medley demain, tu vois, tu rattrapes. Ouais, ouais, moi, pour je pense qu'il faut le mettre après la chanson. Même pendant, hein, pendant que je le fais, si vous voulez. Ah, t'as trouvé une instru officielle. Tu l'as pas répété sur une instru ici? Mais sur la musique, genre, tu vois. Oui, à la place de Samy, c'est-à-dire que t'as moi de... Non, mais au piano, sinon, ça va être plus. Mais moi, je me suis fait avoir. Il vaut mieux que ça soit la prod. J'ai aucun souci en ça. Ouais, YouTube ou MP3. Okay. Tu sors un fichier MP3. Est-ce que YouTube, tu peux voir avec Drill ou quoi? Ouais, bien sûr. Oh, on n'entend pas pareil. Hein, c'est... Oh, on entend tout. Rien que la répète, elle est dure. Mais ça me terrifie plus. T'as envoyé la prod ou quoi? Je l'ai envoyé à Maxime. À Maxime. Ça va, tu vas bien? En fait, je suis bien parce que je suis manager d'un des deux gars. Lesquels? T'as pas choisi encore? Tu vois, ce soir, je vois comment il fait. Tu fais quoi? Tu fais un peu des hits? Frère, j'ai chanté Wrecking Ball pour un gage. Je sais pas quoi, tu peux me l'envoyer par mail, s'il te plaît? Par mail? Ouais, carrément.
Ça, ça arrive, ça c'est lent. Hein? C'est bon, ça y va là? Ouais, ça arrive doucement là. Je suis en train de foutre un bordel avec l'instru, frère. Je fais chier tout le monde. Je fais chier tout le monde avec l'instru. Il n'y a pas de. Tu dis bonjour et tout. Tu arrives vraiment direct. C'est ce que je vais demander. Est-ce que tu veux m'annoncer? Oui, je t'annonce. Tu m'annonces par contre. Moi, je croyais que c'était vraiment en mode noir. Et d'un coup. Non, non, sinon c'est trop. C'est trop what the fuck, je pense. Ok, vas-y. Ah, je parle quand même? Ok. Vas-y, il est pas bien là. Putain, j'ai oublié les paroles, ça me fait stresser de fou, frère. C'est quoi les paroles? I can't give it I will always want you. I can't be like a wrecking ball. Il a dit quand il rentre, j'ai même pas une LED qui s'allume sur la console. Okay. En fait, si on voit pas tellement de voix, il a pas de coffre, il sait pas chanter, que l'ingé son a pas de signal vocal. C'est une dinguerie, les gars. C'est vraiment pas bien, non? Asking why, break me. Don't you ever say I just look away. I will always want you. I can live a lie running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. All you wanted was to break your wall. All you ever did was break me. Yeah, you wreck me. Vraiment, déconcentrement au max. Ça va le faire, vas-y. Ça va le faire. T'inquiète pas. Oui, cloud, we chain our words in vain. Never could be night. Ça m'a déconcentré. Ça va marcher. Let's go encore. Oui, cloud, we chain our. Mais frère, il va y avoir 10 Je sais. I know this. Our words in vain. Et tiens, je dis, and now. Oh, ça dès que j'ai un truc à côté, c'est mort. Tu sais qu'en vrai, c'est chaud. Ah ouais? I've never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. Mais imagine, ça peut arriver. Imagine, Flo, il fait ça, ok. All I wanted was to break your walls. C'est bien, Gypsy. All you ever did was break me. Gypsy de Toulouse. Yeah, you. Break me. Un maximum de bruit pour JC. Putain, je pourrais jamais chanter de cette manière-là sur scène, jamais. Si, t'inquiète. Ok, bah c'est bon. Tu vois? Non, t'inquiète pas, pardon. T'inquiète. On peut quand même. Imagine. Il n'y a plus qu'à y aller. Je te suis. Là-bas, trop de scène. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, merci. Merci. Let's go. Merci, frère. Oh. On a plein d'amis, plein de potes ici. Et on a un ami ici qui s'appelle Gilsy. Ça le fait de ouf.
youtubeur qui cartonne en ce moment, qui fait plein de choses, plein de vidéos. Je comprends pas le rapport avec notre chauffe. Alors, je vous explique. Il m'a dit, j'ai perdu un gage dans une vidéo, et le gage, c'est que je dois chanter une chanson premier degré devant un zénith. Et voici Jill C qui va vous chanter Wrecking Ball de Miley Cyrus. C'est pas une série ce soir. Ça va se retrouver sur YouTube. Il n'est pas chanteur, je tiens à dire. We cloud, we are not cloud, never asking why. We kissed, I felt under you now, never could deny. Il est fou ce mec. Zénith, ce fils de pute. Incroyable. C'est vrai. Je sais pas ce que ça. C'était pété. Ah non, incroyable. Ça va. Il est gentil. J'étais en rythme. Oui, ça de va. A à Z. C'est bien. Oui, ça va. Les gars, t'ont rattrapé sur un truc. Ils m'ont aidé, ouais, deux, trois fois. T'étais à l'aise. Franchement, ça va. Bah, en fait, j'ai enlevé une ire, ça m'a fait du bien. J'entendais mieux. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est passé en deux secondes, par contre. Félicitations, vraiment. Là, le gars, j'ai accepté, là. C'est bon, là. Je pense qu'on est pas mal. Oh, c'était fou, putain. Ouais, en fait, c'était bien. Oui. C'est vrai. Vous savez, j'ai pas trop oublié les paroles non plus. Non, ça va. On est chez Nagui, fils de pute. Tu le portes chance, dès que tu fais la première partie, c'est chaud dessus derrière. Mais ouais, c'est pas de la chance, gros, je me suis enculé sur la barre en descendant là. Oh, wow, en descendant sur scène, j'étais un peu content. J'ai vu, je te reconnais pas, mais... pas et tout, on dirait Michel. Bon, il a, merci eu beaucoup, frère. Il a eu les couilles de le faire. En vrai, c'était des couilles au-delà de la blague. Et c'est tout. Vrai. Ouais, il fallait y aller. Et t'as vu, les gens, ils t'ont soutenu. Franchement, la Toulouse, incroyable. Je pense qu'à l'image, ça doit être impressionnant. J'espère vraiment, ouais, je pense que c'est cool. Le ouais. Les gars, ouais, franchement, les gens, ça l'a fait, je trouve. C'est ouais. Pas ouais, en vrai, c'était pas cringe de fou. Ils ont chanté. Ouais, ouais, quel non, mais soyons sérieux, c'était très mal chanté. Oui, vraiment. Ça, oui. Ta présence, c'est pas une surprise. Oui, voilà, c'était pas le but. Ta présence scénique, elle était quand même présente. Elle était là. Le public chant 4 sur 10. Présence scénique, 7 sur 10. Oh, c'est pas dégueu. Cherchage du public et tout, 8 sur 10. Oh putain. Rythme, 1 sur 10. Ok, donc ça, ça a fait niquer la, après, ça nique la note, quoi. Il y a l'odeur, ouais. Y a l'odeur et c'est... Voilà, il y a d'autres notes, non mais voilà. C'était le dernier défi. Vous avez encore des amis, t'es tout là, sur l'année. Non, après, ça vous dépend... Vous n'avez pas besoin de pub, j'imagine. Tu veux pas qu'on affiche un petit peu. Ah, je croyais que tu faisais une blague en mode, je peux pas refaire. Non, c'est bon, même moi, je refais, parce que là, c'est une pub, je vais te le faire sérieux. Vous faites d'autres zéniths cette année. Mais ça tombe bien que tu le dises, Jussi. Effectivement, les dates s'affichent ici. Ici, en J, en haut. Je vais t'envoyer le JPEG. Et voilà, n'hésitez pas à venir. Il reste. Oui, un PDF. Je suis 7 ans. C'est 70 ans. Voilà, venez nous voir. Il reste des places, notamment pour octobre, novembre. Là, pour mai, je crois que c'est foutu. L'album, dispo, à combien? L'album, il est dispo partout. On est déjà 150 000 ventes. T'as cru qu'on était mort, sale chien, je t'ai vu là derrière ton ordi, on est toujours là. Toujours là, toujours dans, toujours le, coup. Là, toujours dans là. Le coup. Et les jeunes, comme on dit, Kwaku Beku. Voilà, là tu coupes pas ça, tu vois, là tu coupes pas ça.
merci d'avoir participé à ça. Avec plaisir. Ça avec grand plaisir. C'était bon, vraiment trop un plaisir de fou de vous accueillir. Franchement, merci à toi. T'as essayé de me baiser. Tu fais trop. Toi, tu t'en sens trop. Ce que je kiffe avec toi, c'est tes gages. C'est... Il y a un bon niveau, tu vois. Ouais. Ah oui, bah sinon, ça sert. Genre, vraiment. Oui, c'est pas un problème. La vidéo d'après, le dernier gage, le niveau de ce dernier gage, il faut que ce soit le premier de la prochaine vidéo. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que dans l'épisode 2. Non, en ce moment, il y a ce truc, faut pas faire toujours trop. Moi, je m'en bats les couilles. À la prochaine, c'était très cool. À la semaine prochaine pour les prochaines vidéos, plein de trucs et ça. Salut. Bisous. Ciao.